My name is Pavle, I play double bass and I sing a bit. I went to this beautiful Ethno-Bosnia festival, and that was my first interaction with this kind of music, because before that I really didn't know about the whole world music movement. Je m'appelle Pavel, je joue de la contrebasse et je chante un peu. Je suis allé à ce magnifique ethno-festival en Bosnie, c'était ma première rencontre avec ce genre de musique. Avant ça, je ne connaissais pas vraiment le courant des musiques du monde et à quel point il était beau. Je suis donc arrivé là-bas sans aucune attente. Je ne savais pas trop à quoi je m'étais inscrit, et à la première répétition, je me suis dit, ok, c'est ça. C'était un nouveau paradigme dans ma vie musicale. Je suis rentré à la maison et je ne savais plus vraiment quoi faire de ma vie. Je me sentais un peu déprimé, parce que j'avais besoin de cette ambiance dans ma vie plus souvent qu'une seule fois par an. Alors j'ai appelé Irma parce qu'on était dans la même école de musique et je lui ai dit, allez, on forme un groupe et on va jouer, juste pour s'amuser, d'accord ? Nous avions aussi un autre guitariste et nous avons commencé à jouer dans la rue, c'était notre idée principale. Rien d'extraordinaire, nous ne voulions pas être un groupe spécial, peu importait la qualité des arrangements des percussions. Nous voulions juste avoir cette ambiance dans les rues de ma ville natale, ce qui manquait à ce moment-là, et qui manque toujours. My name is Ivan Judas, and I'm a percussionist and I'm back vocal. I was really searching to enroll a music school, and I was too old at this point to enroll it, but there was one chance if I go to certain music school, because it has like preparation class. It's like 2 years, which is shortened 6 years of elementary school in 2 years. Je m'appelle Ivan Judas, je suis percussionniste et aussi choriste. Je cherchais à m'inscrire dans une école de musique, mais j'étais déjà trop âgé. J'avais encore une chance si j'allais dans une certaine école de musique, où il y avait une classe préparatoire. C'était genre, 6 années d'école concentrées sur 2 ans. En marchant dans la rue, je les ai vus jouer, Klada et ce premier guitariste, Marko Polanovic. Je leur ai demandé si je pouvais me joindre à eux, avec une petite darbuka. J'ai donc joué avec eux et ils m'ont dit où je pouvais m'inscrire à l'école de musique. Par la suite, je suis allé en Irlande, d'où je publiais mes histoires, ce que je vivais. Klada a vu ça et il m'a dit, « Tu as l'air d'être quelqu'un de sympa. Serais-tu intéressé de nous rejoindre dans le groupe à ton retour en Croatie ?» J'ai répondu, « Oui, bien sûr. » C'était pour moi une très bonne opportunité d'évoluer en tant que musicien. Il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous, et j'aimais jouer dans la rue. Sans parler de gagner aussi un peu d'argent en chemin. C'était vraiment bien, et ça m'a beaucoup aidé à démarrer en tant que musicien. Je ne serais probablement pas ici aujourd'hui sans ce groupe. Thank you.
Irma and I play violin and sing lead vocals and we are Balkalar. Je m'appelle Irma, je joue du violon et je chante le chant principal. Nous formons le groupe Balkalar. Nous avons commencé à jouer dans la rue et nous n'avions pas vraiment de projet ni d'ambition pour devenir un vrai groupe ou quoi que ce soit. Mais peu à peu, des opportunités ont commencé à apparaître d'elles-mêmes. Nous sortions, jouions dans la rue, puis quelqu'un s'approchait de nous et disait « Eh, j'ai ce bar là-bas, voulez-vous venir faire un concert ?» On s'est dit « Ok, pourquoi pas ?» Et puis lentement, les opportunités se sont multipliées. Nous avons commencé à organiser nos propres concerts dans de petits clubs. Ensuite, nous étions invités dans des clubs plus importants. Et puis, on nous a proposé de faire la première partie d'un plus grand groupe. À partir de là, nous avons grimpé lentement vers les festivals. We also had some offers like we played for Iranian Nous avons également reçu des offres comme celle de jouer pour l'ambassade iranienne. Nous nous sommes retrouvés à la télé, les choses avançaient. C'était incroyable parce qu'on ne faisait pas de marketing, on n'avait pas d'album, rien. Pendant des années, nous n'avons fait que jouer et être invités. Nous avons dû décliner de nombreuses offres parce qu'il y en avait trop. C'est fou parce que d'autres groupes se battent pour avoir des opportunités. Et nous, nous refusons les opportunités. Donc ça a marché tout seul. My name is Juraj, I play guitar. I think what's kind of special and cool about this project is that everybody comes from a different background, actually. You know, we all know each other from musical school. Irma and me were like young rockers, we listened to Led Zeppelin, Pink Floyd. Je m'appelle Juraj, je joue de la guitare. Je pense que ce qui est spécial et cool dans ce projet, c'est que tout le monde vient d'un milieu différent. En fait, nous nous connaissons tous depuis l'école de musique. Irma et moi étions de jeunes rockers. Nous écoutions Led Zeppelin, Pink Floyd, The Beatles. Pavel écoutait Limp Bizkit, Korn et Rage Against the Machine. Nous venions de différents quartiers de la ville, d'horizons différents, d'influences différentes et de mentalités différentes. C'est même difficile dans le groupe d'aligner chaque opinion, d'avoir une pensée commune. Nous avons souvent des débats sur la question de savoir comment arranger les morceaux. Voulons-nous quelque chose d'authentique? Notre valeur fondamentale, c'est que nous essayons d'apporter la musique traditionnelle des Balkans dans n'importe quelle région. Nous jouons des musiques de toute l'ex-Yougoslavie ou des Balkans, nous voulons la faire découvrir aux plus jeunes. Non seulement nous profitons de la musique, mais nous aimons aussi ces langues. Nous aimons l'univers des Balkans, mais nous ne cherchons pas à jouer la musique de manière authentique et originale, comme le font certains artistes de musique du monde. Pour eux, c'est très important de préserver l'authenticité, la tradition, la manière de chanter. Mais ce n'est pas pour nous. Nous, on veut d'abord s'amuser, s'amuser avec le public, et simplement explorer des chansons avec nos arrangements, pour créer quelque chose de nouveau. Mélanger le moderne et la tradition. Yeah.
process, at least from my point of view, is like he brought many music from the beginning, like the songs that he had heard and played on this. Le processus, à mon point de vue, est comme si l'on avait amassé beaucoup de musique depuis le début, comme les chansons qu'on avait entendues et jouées lors de ces festivals avant le groupe. Irma avait quelques suggestions, j'en ai eu d'autres, et c'est surtout de la musique traditionnelle de cette région. Mais nous la jouons avec notre propre interprétation, et à de nombreuses reprises, nous n'avons pas vraiment discuté vers quoi cela allait aboutir. Nous avons commencé à jouer ensemble, des choses se sont produites et nous nous sommes dit, qu'est-ce qui vient de se passer ? Nous les avions enregistrées, puis nous avons simplement dit, ok, gardons-le, faisons-le de cette façon. On n'avait pas envie de répétition, on mourait de rire après ce qu'on avait joué, et on se disait, qu'est-ce que c'est, bon sang. Et parce que nous sommes tous différents en tant qu'individus, chacun de nous apporte un feeling différent et une sorte de perspective différente. Les choses se construisent donc toutes seules. Mais à un moment donné, nous avons commencé à travailler plus précisément, à faire des arrangements un peu plus sérieux, pour les rendre plus intéressants. An interesting part of our career was when we were kind of making the switch from busking to performing in clubs. Une partie de notre évolution s'est déroulée lorsque nous sommes passés de la rue à la scène et dans les clubs. Nous avions l'habitude d'avoir un son différent quand nous jouions dans la rue. Il était purement acoustique et on jouait aussi fort que possible pour qu'il soit bien entendu dans les rues. Et puis, lorsque nous avons commencé à jouer dans des salles équipées de micros et d'amplification, cela nous a donné l'occasion de changer notre son en quelque chose de plus délicat et de plus détaillé. C'est ainsi que ça sonne aujourd'hui, plus seulement aussi fort que possible. I think from the beginning, since the instrumental makeup of the band is like specific and unique, we and comme la spécificité instrumentale du groupe est unique, nous avons un style de jeu qui nous est propre. Nous avions un son, et au fil des années, nous avons développé ce son. Nous ne faisons pas de composition originale. On prend des chants traditionnels, on garde la mélodie, on change parfois les rythmes, et nous les arrangeons. And they are all kind of classical musicians. Ce sont tous des musiciens classiques, parce qu'ils sont allés à l'école. À cause de ça, il y a de nombreux éléments de musique classique dans certaines chansons, ce qui est très amusant. Et quand nous avons mis un morceau de Bach dans une chanson traditionnelle macédonienne, que nous avons ensuite accéléré, ça devient tout simplement du punk. Un Jean-Sébastien Bach déjanté dans la Macédoine. Ouais. C'est ce qui est beau dans ce projet, c'est qu'on ne travaille pas comme des professionnels. C'est plutôt, jouons, voyons ce qui se passe, et c'est souvent bon. Par exemple, cette partie avait besoin d'un son baroque. Il a commencé à jouer baroque, et nous nous sommes dit, et mec, c'est super. Nous ne sommes pas dans un processus de réflexion, de composition, de rapport d'influence. C'est comme, bam, d'accord, je veux ça, tu peux faire ça? Oui, je peux, ok, faisons-le. Bientôt, nous sortirons notre premier album et nous allons travailler sur sa promotion. Ensuite, nous prévoyons de continuer comme nous l'avons fait toutes ces années, de poursuivre lentement dans la même direction. Des festivals plus importants, des salles plus grandes, de meilleures tournées, et continuer simplement à avancer, mais sans trop de pression.